Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Ça va être mouvementé cet épisode. On va se réveiller. Allez, Gordon, Porter, Bridges. On va donc aller attaquer les mules. On pourrait prendre d'autres colis là-bas. Mais vu qu'on va se taper des mules, honnêtement, je pense que non. Je pense qu'on va y aller comme ça. Par contre, j'ai pas déposé les ressources qu'on a sur le dos. C'est pas grave. On va replacer ça. Ah, vous voyez le camion, il est en mouvement. Ça fait beaucoup de monde. On va voir. Si on se fait voir... Ah, il y a une partie de l'autoroute qui a été construite. Déjà. C'est les autres joueurs qui l'ont fait. Yo, on est bon. Ouais, vous voyez, ça c'est l'autoroute. Donc beaucoup plus simple pour passer. Alors nous, on doit aller là exactement. Doucement. On n'a pas de grosse caisse. On va y aller. Il y a un camion qui est entreposé là. Donc on va peut-être prendre celui-là. On va voir si on peut pas voler. Ouh. Ça par contre c'est l'autre camion qui fait une ronde. On va voir si on peut pas voler les plans qu'on doit. Et après prendre le camion et s'extraire avec le camion. Ce bruit qu'on vient d'entendre, c'est des colis qui apparaissent d'autres joueurs. Ah merde, t'es sérieux? Elle m'a vu ou elle est juste en train de regarder? Elle m'a peut-être pas vu. Elle va aller vérifier par contre. Attendez, peut-être que celle-là on peut la faire à la corde. Merde. Ok. Celle-là, elle était un peu aveugle. J'avoue qu'elle était un peu aveugle. Je pense que chacun a sa vue aussi pour rendre un peu les choses aléatoires. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certains qui vous voient pas de très loin, et il y en a qui vous voient de très... très loin. Ok. Elles ont vu qu'il manquait quelqu'un. Qu'il se passait quelque chose. Ils sont aussi des détecteurs, évidemment. Ils sont remontés dans le camion, apparemment. Ils vont sûrement repartir. Donc on va dans la boîte d'abord, et après on prend le camion.
Il y en a tellement partout. Ah putain. Hop là, dans la tête. Je sais pas si elles savent où je suis. Hop, dans la tête. Ouais, il y a les étoiles, donc elles sont assommées directement. Oh merde. Non, ça va. On n'a pas de gros colis sur nous, de colis intéressants, donc ils vont pas nous détecter grâce à ça. C'est déjà bien. Par contre, là, il y en a beaucoup. On a encore des grenades. On a plus de grenades. 3, 4, 5. Ça fait beaucoup. On peut se les faire, ils sont tous au même endroit. Il y a Anna qui commence à réagir, elles réagissent assez vite les mules. Ok, cool. Ils se sont mis à couvert. Il y en a une qui est pas assommée. C'était un peu mouvementé. Ça va. Vous voyez, céramique haute densité, j'en avais parlé. Ok. C'est un peu compliqué des fois. Un tout petit peu compliqué. Serveur, très bien. Et après, il y a d'autres choses. On pourrait prendre ça. On a un lance-bolas, on va le mettre, on va le prendre, on a des grenades hémorragiques encore, on a encore un autre lance-bolas, on a de la céramique aussi, je vais voir si on peut pas décharger. Okay. Alors, fais voir un peu. Ah, il y a peut-être... une clé, ouais, il y a une clé à prendre. Ouais, très bien. Ce qu'on pourrait prendre, c'est ça aussi. Oh, doucement. On va voir si on peut pas prendre ça dans le camion. Alors ce camion il peut pas te transporter énormément, honnêtement les camions Bridges sont les meilleurs, mais pour l'instant on a que ça, donc on va se débrouiller un peu avec ça. Hop. Très bien. On peut prendre ça. Métaux de densité. Plus tard, en théorie, avec les rajouts de Cyberpunk, on va pouvoir hacker leur Audra Deck
et genre leur infliger des décharges électriques et tout ça. On va pouvoir hacker aussi les balises là qui nous détectent. Donc plein de choses. Attendez, on va voir si on peut pas avancer déjà le camion. Et comme j'ai dit, ce camion est pas à l'abri de l'eau ou des averses. Vous voyez, c'est le toit, il est ouvert. Par contre, faire gaffe de pas écraser les trucs. La grosse céramique. Ouais, vous pouvez jouer comme ça. Hein. Après, sinon, on peut passer aussi par le menu pour directement tout mettre. Mais bon, je trouve ça plutôt cool de pouvoir jouer comme ça. Il nous faudrait des ballons Fulton. Sam. Va où je te dis. Ok. Il suffit de mettre votre vie sur la ligne. Vous avez compris, Bolas, c'est tout ça. Par contre, je sais pas si le poids du camion est pas lié aussi à ce qu'on porte. Genre, si on transporte trop et que le camion est déjà plein. Parce que tout notre matériel, en fait, on va le mettre à l'arrière. Donc si on peut pas mettre notre matériel à l'arrière, on risque de pas pouvoir le conduire, je crois. Je suis pas trop sûr de ce que je dis, en fait. On va voir. Attends, c'est quoi ça? C'est une échelle. Une échelle. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Céramique haute densité. Voilà. Très bien. Je pense que ça suffira pour le moment. De toute façon, après, ils vont, quand ils se réveilleront, ils vont tout récupérer et remettre. Et remettre tout dans le. Dans leur planque. Comme ça, ils auront des choses à faire. Comme ça, ça leur donnera du boulot. Ils vont dire, c'est qui a foutu le bordel comme ça? Allez, on y va. On a bien tout. Hein. On a bien... Ah, il y a peut-être une partie là-bas. 1100. Attendez. Regardez. Normalement, on a tout. C'est le camion. On peut aussi... genre fermer les parties, genre la camion, et on peut faire R1 et ça, comme ça, ça cache en fait l'inventaire du camion. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses. Ouais, non, il y a que ça à te prendre. Il n'y a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autres parties. On est bon. Livrer le serveur. Let's go. Ah, il va mettre aussi sur le... à l'avant, vous voyez. Ce qu'il a sur le sac à dos, il va le mettre à l'avant. Mais je crois que c'est limité à ça. C'est genre 4 caisses médium. Et après, le reste, ça sera à l'extérieur. Enfin, à l'arrière, pardon. Du coup, c'est là-bas. Ah, vous voyez là, il y a l'autoroute déjà qui a été un peu construite. Okay. Là-bas, il y a une batterie.
Alors ce qui est bien, c'est quand vous passez dans l'eau, ça monte comme ça. Et évidemment, c'est comme la moto, hein, si vous passez... Ouh, du métaux à 400. Si vous passez dans l'eau, la batterie va s'user beaucoup plus rapidement. Ah merde, ouais, non, c'est trop. C'est quoi ce bruit? Oh! What? C'est des mules, ça? Non, c'est des transporteurs. Je crois qu'on va pas pouvoir... Ouais, on va pas pouvoir monter dans le véhicule. Ouais. Ok, un truc qu'on pourrait faire aussi. C'est ça. Je l'ai pas fait. Eh ouais. Le bébé il trouve ça drôle. Tu as vu que maintenant on a plus besoin des grenades EX, c'est vrai que bon, on peut pisser partout du coup. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi il y a ça dans le jeu. Et un truc intéressant, c'est que comme vous savez, hop là, voilà, ça fait un champignon comme j'ai dit. Et après, si plusieurs personnes le fait, après vous aurez un endroit en fait pour... À quoi qu'à la limite, ça sert juste à ça en fait. Ça va vous donner un endroit pour avoir des cryptobiotes là. Et en gros, c'est un endroit de soins. En fait, vous pouvez créer un endroit de soins en faisant ça. C'est tout simplement... C'est vrai, ça sert à ça. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, vu qu'on n'a plus besoin des grenades X, on peut le faire. Alors, faut faire gaffe que les mules, elles tirent extrêmement bien les javelins, là. Ou javelots. Et elles peuvent vous toucher, en fait, sur la route. Si elles vous voient. C'est un peu abusé, elles sont vraiment bonnes, les mules. Ça, il a porté. Peut-être qu'on peut placer les matériaux qui manquent, vu ce qu'on a récupéré. A highway used to run through there back in the day. The first expedition team left behind a paver, but to finish the job, you'll need more than that. Ok. Alors... Ouais, on va pouvoir le faire, je crois. Alors, on va mettre ça, on met de la céramique aussi, bon, peut-être pas autant. Et après, il faut des cristaux. Parfait. On a mis un peu plus que nécessaire, mais bon, des fois, vous pouvez pas... Vous pouvez pas avoir le compte juste. Et voilà. Alors on a fait une partie de la route. Just so you know, Sam, distro centers and the like are stocked with materials you can use to fabricate equipment. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Check their terminals to see what they are. Voilà. Et comme elle a dit, vous pouvez pas toujours prendre de la même ville en fait. Et des fois, il va falloir aller autre part pour récupérer du matériel.
Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est les mules. Honnêtement, c'est les mules. Vous faites un petit raid chez les mules, vous récupérez tout ce qu'ils ont. Yep. Ah oui, celui-là, vous voyez que c'est rouge maintenant. Celui-là, il va pas être pris par... par le garage, parce que c'est pas un Bridges. Évidemment. Livrer la marchandise perdue, déjà, on va faire ça. Et après, bon, on va tout donner, quoi. Notre commande aussi. Enfin, quoique non. Non, je crois que là, on donne que la perdue. On en avait 3. Ok, confié aux d'autres joueurs, très bien. Until the next delivery, then. Stay safe. Good work. New order available. Please have... Parfait. Ouais, et après on a la... on va d'abord donner la carte mémoire aussi, comme ça sera fait. Thank you kindly, Sam. I'll treasure it. Parfait. Thank you for your contribution. Et notre livraison de mission, de quête. Welcome, welcome. The Arab man said to expect you. Oh, you've got the server. Here, let me have a look at it. Nice. The great deliverer comes through again. The server's in perfect condition. It's a real relief to know all our records are safe. Thank you so much. Parfait. Alors, 3 étoiles sûrement. Ouh. Sam, I've added a reverse trike to the list of supplies you can fabricate. Lake Knot said he was kind enough to provide the blueprints as thanks. I'd tell you all about it, but didn't you used to have your own? Same deal. 2 front wheels, 1 rear, battery powered. Fitted with an auto charging unit that kicks in when not in use. Requires skill to drive over obstacle strewn terrain. Best suited to long flat stretches, yada yada yada. We're working on securing you another vehicle, so you can look forward to that too. Voilà, donc maintenant on peut créer nos propres 3 roues. Bien sûr, ça utilise des ressources pour les créer. Après, on a la 3 roues grande autonomie. Grande autonomie, elle a des batteries en plus. Thanks, Sam. With that data, we can finally move forward with our plans for the new automated delivery system. I'll tell the boys to start testing the bots right away. Now, you'll need to take it to the distro center south of Lake Knot City. Check the delivery terminal whenever you're up for more work. The Prepper's had some things to say about Fragile. You sure we can trust her? That business with Higgs. Thought I told you she hates him with a passion. Enemy of my enemy, as far as I'm concerned. Don't take my word for it, though. Just ask her and judge for yourself. I'd like it or not, we need her help. Sam, it's Fragile. A year you brought 3 preppers into the network and delivered everything they needed. That's some good work. Long as we're shooting the shit, you mind telling me what the deal is with you and Higgs? Been hearing stories, huh? I'll tell you all about it in person. Meet me at the distro center south of Lake Knot. You're headed there anyway, right? Good work. New order available. Fragile qui nous aime bien. For further information.
Alors, fais voir si... Oh. Sam, a lot of clients are requesting you by name. Now, while there are orders we need you to accept, which are critical to the expansion of the chiral network, there are others that you can take or leave at your discretion. It goes without saying, though, that it's in everyone's best interest for you to do as much as you can. And more work means more rewards. Oui, ça, on le savait, merci. Donc ça, voyez l'effet qu'il y a sur la première livraison. Donc ça, c'est mission principale. Je sais pas si je l'avais expliqué, ça. Ça, c'est mission principale, puis après, ils viennent de nous le montrer. Et après, on a livraison pour Sam, urgent. Peter Hankler. Je sais, c'est Higgs. Higgs, il veut des pizzas. C'est une livraison de pizza. Ouais, voilà. Donc on a les deux roues. Je ne peux pas créer un nouveau véhicule, moins, car il y a un véhicule sur le monde Charles. Oui, c'est parce qu'il y a le... Hein, je voudrais voir la description. Ouais, c'est parce que j'ai mis la, le camion. Mais voilà, on a les deux trois roues. Il y en a un avec des batteries en plus supplémentaires. Du coup, il peut moins porter ou voire pas porter de charge, je crois, le 3 roues avec les batteries supplémentaires. Alors, on peut recycler ça. Attendez. Recycler. Ok. Il faut pas aller au-dessus de la limite parce que sinon, ce sera de la perte. Très bien. Le reste, on va le mettre... Je voudrais en fait vider le camion. Le reste, on va le mettre dans notre casier privé et on l'utilisera si jamais on en a besoin. Pas privé... Camion... Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour ça sur le dehors? Ça... Ça... Les bolas sont de garde... Ah tiens, c'est des bottes de porteur! Bottes conçues pour compléter la combinaison de porteurs façonnées à l'ancienne, elles ne sont pas particulièrement résistantes et risquent de céder assez facilement. Sam le portait lorsqu'il travaillait en tant que porteur indépendant. Oui, c'était le, ça faisait partie en fait de sa tenue au tout début quand il a été, je crois que sa tenue était quoi, grise, blanchâtre. C'était un porteur indépendant. Maintenant, il fait partie de Bridges, donc il a les choses de Bridges. Conçu pour permettre d'assurer large éventail de livraisons, elles sont plus résistantes et solides que les modèles les plus anciens. Donc c'est vrai que ça aussi, il y a des différences. Voilà, tout ça, privé. Voilà, le camion est vide. Le camion est vide, donc on pourrait faire la livraison à la, avec la pizza, par exemple. On a ça et ça. Non, ouais, on va voir après, on va d'abord aller se... se reposer. Je peux pas entrer dans la chambre privée. Est-ce que je peux le faire depuis le menu? On va voir. S'il faut, on peut pas du tout en fait. Non, 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 je peux pas. Ouais, ouais, non, c'est à cause du monde char. Parce qu'en fait, on rentre toujours par le monde char, c'est pas magique. Hein. Donc faut vraiment que je bouge le camion. Mettre le camion là parce qu'après je vais l'utiliser pour la pizza et tout ça. On va se reposer un peu. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas reposé. Et tout. Good morning, Sam. Blood collection complete. Vous avez vu à l'arrière les figurines, il y en a de plus en plus aussi. Et ce que je voulais voir aussi, c'est les emails et tout ça.
Alors... Ouh! D'abord, on va regarder le reste. Faut fabriquer des objets besoin partout. J'ai distribué aux porteurs locaux quelques-uns de ces grenades hématiques et poches de sang que vous m'avez apportées. Ça, c'est bien. Vous voyez que maintenant, on partage en fait nos connaissances avec les gens. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les gens. Avec les grenades, ils vont pouvoir se défendre contre les BT. Après, je suis beaucoup renseigné sur les Odradek ces derniers temps. Maintenant, les gens les associent à des bébés ou à des détecteurs d'échoués. Mais ils étaient initialement conçus en tant que scanner multifonction détectant des gens et divers objets. On dirait qu'on a conçu quelques modifications avec le temps. Ça aussi, ça va être intéressant plus tard. Parce que le Odradek va avoir pas mal d'améliorations. Une humble commande de pizza. Très cher, monsieur Bridges, c'est un honneur de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Peter Englert, ou Higgs. J'ai tellement entendu parler de vous, toujours en bien, je vous assure. Je vous rassure, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous écrire. En gros, il veut une pizza. Après, on a l'ancien. Et on a lui. Apporter un peu de bonheur à vos clients. Symbole à côté de votre nombre de likes qui vous indiquera si vous avez réalisé un objet complémentaire. Vous n'aurez jamais trop de likes. Donc ça c'est nouveau par contre. Alors, je vous prie, retrouvez ma marchandise perdue. Donc on va aller le voir ça. Alors, super livreur, c'est ça, Benjamin. Alors pourquoi pas ne pas me le montrer. Alors, vous connaissez Peter Engler? Oui, je sais où il est. Celui qui vous demande sans arrêt des pizzas, ma marchandise devrait se trouver à proximité de son abri. Sa forme de cube est facilement reconnaissable. Une fois que vous l'aurez trouvé, merci de le rapporter à la ville relais du lac. Ça marche. Ça marche. On va faire une petite douche. Petite douche. Et après on sort, on prend les deux... Non, on va prendre juste seulement la pizza, pas les deux parce que sinon il va nous donner des poids et ça va se mettre à l'arrière du camion et la pizza faut qu'elle soit à plat. Donc on va prendre la pizza directement dans le camion. Comme ça elle sera à plat et on va livrer la pizza et prendre le cube. Ouais, ça sera cool comme ça. Ce sera cool. Let's go. Ah, le lance-bolas, il est dans la vitrine aussi maintenant. Je le montrerai la prochaine fois, c'est pas grave. I might make a test somewhere you wrote them. A toast to Lisa. And to you. Not bad. Il y a un truc avec ces flashbacks, ça peut être un peu confus au début. J'espère qu'on pourra directement mettre ça dans le camion. Ça va être un peu confus au début. Alors, je vais voir un peu. Est-ce que c'est les souvenirs de Sam? Est-ce que c'est les souvenirs du bébé qu'on transporte, etc. Make sure you carry pizzas properly at all times. If you do something stupid, like turn it on its side, you'll ruin it. Alors, non... Ouais, ok, parfait.
Ouais, parce que si on la met comme ça, elle va être debout, donc on peut pas. On peut pas faire ça. Donc on va la mettre dans le véhicule et on est bon. Sinon elle va s'abîmer directement. Voilà. Ce qu'on avait sur le dos, c'est sur le siège, et la pizza elle reste seule à l'arrière. Ah parfait. Vous voyez que quand on connaît le jeu, on sait un peu comment faire, comment se débrouiller pour faire les choses. On doit aller là-bas, on va couper directement. On va pas trop aller vite parce que sinon on va épuiser la batterie. Mais après je crois que j'ai encore un CCP sur moi, donc à la limite on pourra créer une batterie si on veut. Enfin un générateur. Passer par là, je crois. Par contre... Ah, je sais pas si on va devoir passer par les BT ou pas, on va voir. Je crois pas, je crois que les BT elles sont plus loin. Il y a l'arc-en-ciel à l'envers et tout ça. Donc oui, je disais qu'il y a un peu un moment confus. Pour moi, la première fois, et le chat et tout ça, on l'avait mal interprété. Mais c'est... Honnêtement, enfin, je peux le dire maintenant. De toute façon, ça va l'expliquer plus tard. Ouais, ok. BT, mais je pense pas qu'on va devoir traverser le territoire BT. On est juste à côté, près de l'averse, en fait. Ça va, on risque rien. Oh la vache, doucement, doucement. On risque rien, ça va. Ce sont bien les souvenirs de Sam. Mais tout va être expliqué plus tard. Pourquoi? Pourquoi il a des souvenirs comme ça qui reviennent? Vous avez imaginé une livraison de pizza en moins de 3 minutes? Moi, personnellement, si j'ai ça, je commande tous les jours. Je commande, mais alors tous les jours. Delivering cargo. Depuis 30 minutes. Ah, honnêtement, la pizza elle dure, elle reste chaude très longtemps, hein, putain. Ah, parfait. Vous avez vu, il n'y a personne qui nous accueille. C'est un peu bizarre. Hein. Thank you for your continued support. Un peu étrange. Hein. Tout petit peu étrange. Bon, il nous faut un cube. Oh. Cube de voyage. Très bien. On aurait pu passer par là, hein. Ça avait l'air un peu plus calme. Mes remerciements les plus sincères. Avec des emojis et tout ça. Pas bizarre, mais... Je crois qu'on peut aller là-haut aussi. Oups. Je crois bien qu'on peut aller là-haut. Il n'y a rien de spécial, mais il y a des endroits comme ça qui sont un peu secrets, on va dire. Où vous pouvez trouver des fois des emplacements intéressants. Mais vous pouvez bien y aller là-haut. Il y a sûrement des BT par contre.
Vous voyez là, il y a les cordes qui tombent. Ouais, le camion il prend un peu cher. Oh, il y a un... Comment ça s'appelle? Un abri ici. Un abri créé par quelqu'un. Bon, ça sert pas vraiment à grand chose d'avoir mis un abri ici, mais... vous pouvez vous reposer et tout. Presque vide. Batterie. La batterie, elle est là-bas, la batterie. Faudrait qu'on aille sur la route déjà. Alors d'abord. Ah, ok, c'est bon, on est sur la route. Très bien. Et si jamais on doit recharger notre exosquelette, pareil, on fait, ça fera les deux en même temps. Ouais, ça tourne quand ça charge. Pas mal. Bon. Très bien. On a le cube qui brille. Je sais pas ce qu'on va récupérer. Normalement, les emails de Cyberpunk aussi, eux devraient avoir un symbole précis. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Faudra voir ça. On va faire une livraison. Vous avez vu que le curseur va directement sur la chose que vous devez faire. Ça aussi, c'est pratique. Ça va beaucoup plus vite. Vous avez juste à appuyer sur croix. En fait. C'est vraiment pratique. Hey Sam, good to see you. Guys like you make me proud to be part of Bridges. Thank you, Sam. Alors, parfait. Déménageur habile. Les titres sont juste... sont comiques. Les titres sont comiques. Oh, by the way, I prepped a little something for you. Feel free to grab it, whatever. Ok, alors je sais vraiment pas du tout ce qu'on va avoir là. Oh, la valve. On a la valve. Je crois que ça va... Parce qu'il a ses cheveux en queue de cheval, là. Nous a donné une valve. Et je crois que ça peut changer. Je crois qu'on peut avoir la valve à la place des cheveux. Vous êtes génial. Oh, dites, vous ne seriez pas non plus fan de Portal par hasard? Je remercie, j'aimerais vous donner une valve, mais aussi partager une histoire avec vous. Vous savez, une immense explosion qui s'est produite il y a des années. Eh bien, on raconte qu'au fond du lac qui s'est formé par la suite, le point zéro, se trouve une autre sorte de valve. J'ai également entendu dire que les membres qu'on appelait les échoués sont en fait ces créatures d'un autre monde. Un monde qui s'est retrouvé connecté à celui-ci du fait de l'explosion. Ça reste une histoire, cela dit. En tout cas, assurez-vous de garder cette valve bien fermée, Sam, et ces créatures viendront vous attendre. Où ces créatures viendront vous attaquer. Ah lol. Ça c'est pour la pizza. Je suis en train de me dire, est-ce que les missions se déclenchent seulement quand on est dans notre planque? On va voir si on a des nouveaux... On va zapper parce que j'ai pas envie de perdre du temps juste avec ça. On va voir si on a des nouveaux emails quand on est dans la planque. Parce que s'il faut, c'est que quand on est dans la planque en fait qui s'activent ces emails. Ouais, on a des emails à chaque fois, bien précis, quand on va dans la planque. On a le bricoleur. Jack Wind. Image de Bridget, tout. Ok, ça marche. Okay. Pas de nouveaux emails, enfin, précis, spéciaux, pour le moment. Oh. Oh,
Ohoho. Ça, c'était... c'était Kojima. C'était un easter egg. Il est quasiment tout le temps dans les jeux, Kojima, je crois. Dans les jeux qu'il fait. Ah tiens, on peut regarder ça. Il y a toujours un petit truc. On peut voir les grenades. Donc on a les grenades maintenant fumigènes à côté. Fumigènes jadis utilisées par l'armée américaine permettent de désorienter les ennemis ou de masquer une fuite. Ils sont très très stylés aussi. White smoke, c'est ça? Seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, white. 60 secondes. Ok, ça marche. Il y a quoi? Il écrit quoi? Do not remove. Ah, de ne pas enlever. Ok. Ça marche. Après, maintenant, on a ça. Le lance-bolas. Il est joli. Hein. Tout est détaillé comme ça. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, moi, à chaque fois. Après, on a le bébé qui s'amuse. Ok, on va partir. La valve, elle est pas... Non, elle est pas sur le terrain, d'accord. Enfin, sur le terrain. Sur la table. Je sais pas si on va avoir le temps de faire la livraison. On va voir. Peut-être qu'on s'arrêtera en plein milieu, je sais pas. Enfin, vu qu'on peut sauvegarder en plein milieu, ça nous fera... Ça nous fera une pause. Alors, normalement... valve destinée à être fixée à l'arrière de la tête, on raconte qu'ouvrir l'une de ces valves libère un puissant jet de vapeur. Cela est toutefois impossible avec cette version puisqu'elle est uniquement décorative, très populaire et appréciée à travers le monde. Hop là. Vous voyez la valve. C'est marrant. On peut mettre lunettes Gordon aussi. Voilà. Je vais enlever uriner parce que ça me dérange de voir tout le temps uriner comme ça. Voilà. Alors, commande pour Sam. Donc on doit aller la ville relais du lac là-bas. Et après on a du standard. On peut faire ça en même temps. Récupération de matériaux. J'ai pas envie de le faire. Ah, quoique si, on peut le faire. 288 kilos. Faut prendre le camion pour ça. On peut le faire, ça. Et puis on s'arrêtera là, je pense. On va voir. Commande présente une charge lourde. L'accomplir à pied pourrait se révéler difficile. Oui. Attends, qu'est-ce que... Ah oui, c'est le casier privé. Order assigned. Attendez. Qu'est-ce qu'on a encore sur le dos? Très bien. On a juste le bolas sur nous. Douce. Ça aussi, bah encore une fois, je l'avais déjà dit, le coup de poser les objets et tout ça, je trouve ça vraiment bien. Je pense que plusieurs types de jeux, c'est là-bas normalement. Ouais. Plusieurs types de jeux devraient le faire. C'est un peu comme genre Escape from Tarkov, le fait de pouvoir lâcher son sac avec tout ce qu'il y a dedans sur le sol. Genre par exemple, il y a The Long Dark qui pourrait faire la même chose. Tous les jeux comme ça avec un certain poids, on devrait toujours pouvoir poser le poids par terre en fait. Je trouve que niveau immersion, ça marche très très bien. Ok. Normalement, on devrait tout pouvoir faire avec ce camion-là.
va d'abord prendre les gros. Ce qui est petit, genre les caisses là, les petites, small, medium, on va les prendre sur le dos. La résine, on n'en a pas besoin. Ça oui. J'espère que le camion il est assez... J'espère qu'on a assez de place en fait. Normalement oui, je crois, je l'ai toujours fait au début avec ce camion, je suis quasiment sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même. Peut-être on va devoir faire deux allers-retours. Ouais, ouais, peut-être. Ouais, on peut pas. Non, j'ai dû le faire avec un camion Bridges en fait. Qu'est-ce que... Ça, qu'est-ce qu'il fait? Je sais, tu vois, je parle de camion Bridges, il se dit, tiens, on va essayer de voler celui-là, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça, on va le prendre. Ah ouais, c'est vrai que ça va être embêtant. On met ça sur le dos. Ok, on va tout déposer. Non, on va faire deux allers-retours, c'est pas grave. C'est joli hein, comme ça, présenté là. Mais ouais, c'est la limite. Après, vous avez vu, il y a des sièges. Et en gros, c'est pour transporter des gens à l'intérieur. Alors on pourrait passer par le menu, faire décharger directement, ou alors on peut faire comme ça. Je crois que passer par le menu et faire décharger, ça va un peu les mettre vers l'arrière, alors que là on peut directement les placer à côté de l'endroit. Donc on va faire comme ça, c'est rapide, de toute façon on fait deux par deux à chaque fois. On va les mettre juste là. Bien. C'est bon. Ok. Et ouais, il y a plein de gens qui utilisent jamais vraiment le gameplay à son potentiel maximum, quoi. Par exemple, là, de faire ce comme ça. Comme j'ai dit, ou vous passez par le menu pour aller plus vite, ou alors vous faites un peu d'immersion. Quoi. Ça a jamais tué personne de s'immerser dans un jeu. Hein. C'est bien l'immersion. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent pas à faire ça. Hein. Donc faut en profiter. Hein. Des jeux comme ça, c'est rare. Hein. Ici quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on voit le... Quand on arrive près du camion, on voit aussi sa batterie. Donc c'est vrai, ouais, on n'a pas besoin vraiment de la TH pour ça. J'ai envie de dire. Sam, tu me fais n'importe quoi. C'est moi qui n'ai pas appuyé au bon moment en fait. Enfin, qui n'ai pas relâché les gâchettes au bon moment, c'est pour ça. C'est pas Sam, c'est moi. Des fois, il faut le dire. Alors, on pourrait même prendre la résine, mais j'ai pas vraiment envie. Est-ce qu'il y a des choses là-bas en bas? Let's roll. Je pense qu'il y a des objets à prendre, mais.
Je pense qu'on a tout. Ouais, non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Enfin, c'est pas pour notre livraison, pardon. C'est ça que je voulais dire. Si jamais Kojima, vraiment, il se lance dans un Death Stranding 2, honnêtement, tout ce qui est gameplay, monde et tout ça, déjà, il n'y a pas vraiment à changer grand-chose. C'est déjà vraiment très bon. Et il peut vraiment continuer à... continuer à construire en fait tout autour de ça et rajouter plein de choses, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment vraiment cool. Je vais voir si genre le camion est à portée avec les choses par terre. Normalement on devrait pouvoir tout livrer en même temps. S'il y a une zone d'action en fait, hein, bien sûr. Alors, marchandise. 9 sur 9, ouais c'est bon, il y a tout qui est pris en compte. Tout ce qui est dans le camion, plus sur nous, plus au sol à côté. Parfait. Je crois qu'on a balancé des... ouais, les marchandises perdues aussi. C'est cool. Until the next delivery, stay safe. Good work. New order available. Voilà, parfait. Et ouais, les marchandises perdues, elles étaient là. Alors, je pense que... ça fait un peu chier. L'ancien est chiant. Mais je pense qu'on peut faire... ah non, attends, non, 94... 110, 150 kilos, plus ça, ça fait un peu moins de 200 kilos. Je crois que ça passe. Je crois que ça passe de tout prendre avec le camion. Mais va falloir bien... enfin, va falloir pas louper le camion, quoi. Faut pas le perdre. Là, faudra vraiment pas le perdre. Parce que tout sera dans le camion. Ouais, on peut peut-être tout livrer. Peut-être tout livrer. On va s'arrêter là. On va aller se reposer. Mais ouais, on peut peut-être tout livrer d'un coup. On va faire plusieurs pauses. C'est comme il a dit Dayardman à un moment. Je crois, oui, c'est Dayardman qui nous l'a dit. Genre, vous pouvez vous concentrer sur une, enfin, sur les commandes importantes, mais aussi vous pouvez faire autre chose en plus. Et c'est vrai que ces commandes, en fait, elles sont sur le chemin. C'est à chaque fois les trois premiers lieux qu'on a découverts. Donc je pense que c'est évidemment fait exprès, hein. C'est pas... hein. Évidemment. C'est bien pensé pour ça. Donc c'est pour voir si vous êtes assez bon pour prendre les trois en plus de la quête principale, de la livraison principale. Mais ouais, on fera ça la prochaine fois. On fait voir si on a des emails. J'ai vu qu'on avait des emails avant de rentrer, mais rien de très spécial, bricoleur. Vous avez vaincu les mules sans tuer personne. La branche locale des mules n'a pas causé de problème depuis un moment et j'imagine que c'est le résultat de la leçon que vous m'avez donnée. Écoutez, je sais que ces types ne sont que des victimes avec des troubles obsessionnels, compulsifs ou je ne sais quoi, mais le fait qu'ils font de notre vie un enfer. Et ouais, il fallait que quelqu'un se dresse contre eux et c'est exactement ce que vous avez fait. Chapeau bas, Sam. Et mon outil, au fait, il vous a été utile, très utile même. J'imagine que oui, si vous avez réussi à repartir sans tuer personne. Yes. C'est lui qui a fait le lance-bolas, hein, pour ça. Alors, fais voir un peu ce qu'on a. On a une moto, la Honda. Et journal. Découvrir les entretiens. Ça marche. Entretien. Ouais, des fois ça nous donnera des choses en plus comme ça. Dans l'entretien. Particules de Higgs. Vous entendez parler du boson de Higgs? La particule de Dieu. Sans lui, les atomes n'auraient aucune stabilité et la matière telle que nous la connaissons n'existerait pas. C'est pour ça qu'il se fait appeler particule de Dieu. Il est fou, Higgs, hein. Il est un peu mégalo. Ils vont et viennent dans les villes déguisés en porteurs fragiles express. Il paraît qu'ils transportent des armes maintenant. Ah. Des terroristes
Le terrorisme, refait surface depuis peu. Vous en avez entendu parler, ils vont et viennent dans les villes déguisés en porteurs fragiles express. À ce rythme, on va se retrouver avec une autre catastrophe sur les bras. Donc ça aussi, il faudra faire gaffe. N'osez pas imaginer pourquoi tuer des gens en masse dans un monde où les morts eux-mêmes deviennent des bombes à retardement. Les terroristes sont une menace et les mules nous tapent sur le système. Et on peut bien vouloir tuer un maximum de gens aveugles. C'est un peu le bordel. Et après, voilà, ça c'est ce qu'on a récupéré avec la, la carte, carte mémoire là. Année d'enregistrement inconnu. Aujourd'hui, j'ai assuré une livraison près de la ville relais médiane. Ce fut mon plus long voyage à ce jour. Nouveau record personnel. Quand j'ai commencé, les gens avaient essayé de me dissuader, prétendant qu'il était dangereux. Alors ça, ça peut être sûrement des logs, en fait, de, jeu, de genre fragile, ou peut-être même de Higgs, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pris trop le temps de lire ça. Juste avant qu'il se transforme, c'est comme si j'avais pu sentir les échoués réagir à la présence de son cadavre. J'ai vu la grève aussi. Le plus étrange, c'est que j'ai eu l'impression de l'avoir déjà senti avant, la première fois que je me suis débarrassé de quelqu'un. Mais cette sensation était plus forte cette fois. Je ne fais aucun doute. Je ne sais pas si ça veut dire que j'ai le Dooms, mais je commence à me demander s'il n'y aura pas un truc spécial en moi. Ça, c'est peut-être Higgs qui parle. C'est peut-être des logs de Higgs. Il ne reste plus beaucoup de porteurs maintenant, en tout cas de suffisamment dignes de confiance. Entre les gens qui abandonnent, qui meurent, qui rejoignent les mules, une vraie hécatombe. Je veux continuer à travailler, il nous falloir un meilleur équipement et quelqu'un d'autre pour détecter les échoués. J'y arrive encore parfois, mais pouvoirs s'affaiblissent. Mes pouvoirs s'affaiblissent. Ah, c'est peut-être pas lui. Je le sens, j'aimerais simplement savoir quoi faire, parce que si ça continue comme ça, je suis dans la merde et tout le monde par la même occasion. Ah, c'est peut-être Sam qui a écrit ça. Enfin bref, enfin voilà quoi. Je vais pas tout lire exactement, mais voilà, c'est là, si vous voulez. Voilà, il y en a tellement des choses. Ça c'est bien aussi, c'est vrai que bon, je me plains parce que ça fait des points d'exclamation. Mais il y a tout qui est écrit dans le jeu. Le jeu vous laisse jamais dans l'inconnu. Donc, genre, rouler dans l'eau, réparer les véhicules et tout ça. Le jeu vous explique tout. Tout ce que vous pouvez faire. Et même des fois, il y en a trop. Il y en a même trop. Genre, utiliser des objets. Voilà, il faut faire ça. C'est vraiment le didacticiel. Genre, un manuel écrit, quoi, mais dans le jeu. C'est vraiment cool. C'est vrai que ça, c'est une bonne chose. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On va continuer la prochaine fois. On va faire les 3 livraisons secondaires plus la principale. Donc 4 en tout. Ah tiens, on a la valve. Et donc on va se débrouiller avec tout ça. Et j'espère que ça va bien se passer. Sam, tu veux, s'il te plaît. Ah, merci. Il y avait quoi? Ah, il y avait la casquette avant. Ça a remplacé la casquette. Ah, vous avez entendu le bruit? C'était le bruit d'une valve. C'était le bruit d'une valve qu'on a entendu. Ça, c'est cool. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.